Mes chers amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je vous salue chaleureusement, je suis honoré de vous présenter aujourd'hui une étude approfondie sur un sujet à la fois énigmatique et fascinant. Il s'agit de l'affaire mystérieuse d'Ibn Mishkan. Imaginez le Maroc au XVIIe siècle, une époque de tumulte et de quête de pouvoir. Au cœur de ce contexte, un événement particulier se détache. Le meurtre présumé d'un individu juif, Atazan. Une figure dont la richesse a été exploitée par Moulay Rachid dans sa quête du pouvoir. Mais qui était réellement cet homme? Et quel rôle a-t-il joué dans les dynamiques politique de cette période? Nous nous sommes plongés dans les archives, comparons sources tardives et précoces pour tenter de démêler le mystère. Nos investigations nous ont menés sur les traces de Mohamed Sagher al-Ifrani et Abdelkrim bin Moussa al-Rifi et bien d'autres sources, mais également vers un témoignage unique d'un captif français, c'est Germain Mouet. Il semble que le nom Ibn Mishkan ne soit pas celui de l'individu, mais plutôt associé à un lieu ou un palais. Les récits varient entre les sources marocaines et européennes. Chacune apporte ses propres perspectives. La clé réside dans la confrontation des perspectives. Les récits marocains et européens offrent des visions parfois contradictoires. L'analyse de ces divergences nous a permis de tisser un tableau plus complet de l'incident. Le défi, discerner la vérité derrière les noms, les lieux et les événements. En consolidant ces sources, nous avons pu tirer des conclusions clés qui nous rapprochent de la vérité, tout en mettant en lumière la complexité des événements de cette période. Il semble que Ibn Mishkan ne soit pas simplement un nom, mais aussi un lieu ou une région apportant une toute autre dimension à cette histoire. Malgré la complexité, certaines vérités émergent clairement. Le juif au centre de cette histoire était associé à un lieu appelé Dar Michel, ou bien Dar Michel dans les ressources françaises. Après l'incident, il a gagné en importance politique sous la gouvernance de Moulay Rachid. Aujourd'hui, après cette exploration rigoureuse, nous pouvons affirmer que l'affaire Ibn Mishkan est bien plus complexe qu'elle n'y apparaît. Mais grâce à nos efforts, nous avons réussi à démystifier certains aspects de ce récit historique. En somme, la forteresse d'Ibn Mishkan est un patrimoine à préserver et à étudier davantage. Les questions restantes soulignent l'importance de poursuivre les recherches sur ce sujet. En conclusion, l'histoire c'est une puzzle complexe. Et c'est notre devoir en tant que chercheur de rassembler chaque pièce avec soin et diligence. J'espère que cette présentation vous a offert une nouvelle perspective sur un chapitre fascinant de l'histoire marocaine. Je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à vos questions et réflexions en bas dans les commentaires si vous voulez bien. À très bientôt.